Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour ce talk-là. Aujourd'hui, on va voir 10 optimisations de Spark qui vont vous aider à rendre vos jobs plus rapides et pour les mettre en production plus tranquillement. Commençons avec l'introduction. Je suis là avec Nityan Jadhav. Il est un data engineer chez Neuralink à Paris. Bonjour. Moi, je suis avec Himanshu Arora. Il est lead data engineer chez Neuralink également. Du coup, comme vous pouvez voir, en plus de Spark, on aime bien les plages et le soleil, comme plusieurs mondes ici, je pense. Quelques mots très rapidement sur Neuralink. Neuralink, c'est une société de consulting. On travaille sous 4 tribus différents, JVM, JS, Agile et PHP. Du coup, notamment sous tribu JVM, on travaille beaucoup avec Scala, Java, programmation fonctionnelle, Big Data, microservices, et voilà. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous parler après la conf. Alors, pourquoi on fait ce talk-là? C'est quoi la motivation derrière? Il y a quelques années, en passé, quand on a commencé à travailler avec Spark, au début, tout allait bien. On avait nos jobs qui n'avaient pas beaucoup de données à traiter. Du coup, tout va bien, la vie est belle. Par contre, une fois qu'on a mis nos jobs en production, les données ont commencé à grandir. Et quand on a commencé à traiter à peu près quelques terabytes de données, ce qu'on a constaté, c'est que la configuration par défaut de Spark n'est pas toujours aussi bonne. Et nos jobs prenaient plus en plus de temps. Ça nous a poussé de trouver des optimisations, des tunings de configuration pour que les jobs soient plus rapides. C'est ça qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est l'agenda de cette talk-là, ce qu'on va vous montrer. Petite question, qui ici a déjà travaillé un peu avec Spark ou un peu de connaissances? Très bien. Ouais. Quasiment tout le monde. Et combien d'entre vous a déjà mis les jobs Spark en production et galéré un petit peu? Ouais, quelques fois. Ok, je pense que ça va être intéressant pour vous, j'imagine. Juste commençons avec l'introduction très très rapidement de Spark. Tout commence avec le driver qui prend vos jobs, qui va transformer vos jobs Spark dans un sort de graphe qui s'appelle DAG, votre Directed Acyclic Graph. Le graphe, il est envoyé à les exécuteurs, les workers. C'est les workers qui vont faire le vrai calcul. Toute la volumétrie de données qui devait être traitée par ce job-là, elle va être découpée en plusieurs morceaux qui s'appellent les partitions. Du coup, chaque worker il va s'en occuper de quelques partitions et ils vont traiter les données avec le DAG. Et une fois que le calcul est terminé, le résultat sera soit envoyé au driver, soit sauvegardé dans notre service, dans notre base de données, ça dépend quel type de job vous avez programmé. Et le dernier parti, c'est le Cluster Manager. C'est votre Resource Manager avec qui le driver va négocier les ressources, les machines, pour faire le calcul. Aussi simple. OK. Du coup, pour la première partie, pour Nitya. D'accord. Mais comme vous savez déjà, travailler avec Spark, mais quand même, il faut faire le choix quand on commence à utiliser Spark. Parce qu'il faut choisir entre les 3 data structures, la RDD, data frame et data set. Donc, la première, c'est RDD, on connaît, elle est tolérée contre les pannes. C'est à nous dire que si jamais, pendant les calculs, si on perd quelques partitions, Spark, il est capable de régénérer en utilisant la DAG. Et dans quel cas, on peut utiliser le RDD? Donc, parce qu'il faut qu'on fasse le choix avant qu'on démarre avec Spark. Dans les cas où on a notre donnée est semi-structurée ou non-structurée. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est l'API de niveau bas qui nous permet de faire les traitements directement sur les partitions. Par exemple, si on voulait faire quelques opérations directement sur les partitions, ça, c'est possible avec RDD. Donc, il va itérer sur les partitions à place d'appliquer toutes les méthodes à chaque ligne. Donc, pour itérer sur les partitions, c'est toujours mieux. Et quand on utilise RDD, on est obligé d'utiliser la programmation fonctionnelle. Et par contre, RDD, il n'y a pas d'optimisation pour fournir via Spark. Donc, quand on utilise RDD, Spark ne fait rien pour nous. C'est juste c'est la API de niveau bas, la deuxième. Donc, quand on parle d'optimisation, après un certain temps, en Spark 1.3, ouais. Il y avait DataFrame. Donc ça, c'est très expressif. Les gens ont commencé à utiliser les DataFrames, mais on peut imaginer comme une table relationnelle qui est distribuée dans le cluster. Donc là-bas, on peut appliquer la plupart des syntaxes SQL, select, min, max,
les choses comme ça. Mais le plus important, qu'il y a des performances et optimisations fournies par Spark. Il y a query-based optimization, cost-based optimization, il y a predicate pushdown. Juste pour donner un exemple très rapidement, pour le predicate pushdown, si jamais on applique un filtre sur nos données, à la place de ramener toutes les données en mémoire et après juste appliquer ces filtres, Spark va pousser le filtre directement à la source. Il va sélectionner que les données qui nous intéressent. Mais dans la query-based optimization, Spark, il va essayer d'optimiser notre query. Et dans le cost-based, il fait pas mal de choses derrière, mais la chose que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque calcul, il essaie de réduire le data shuffle, parce qu'on applique beaucoup de méthodes sur Spark. Donc il y a beaucoup de data shuffling derrière. Cost base, c'est pas mal aussi. Comme data frame, il n'y a pas de type check, static type checking. Donc, on peut avoir l'erreur en runtime. Et c'est très pénible à débugger à runtime. Donc, pour ça, derrière moi, la dernière, c'est on a le data set. Donc, on peut imaginer, ça, c'est le meilleur de deux mondes, RDD et notre data frame. On peut imaginer comme un objet dans un JVM. Ben, si il y a des utilisateurs Spark, on peut dire par Scala, on peut dire c'est la case class, ou en Java, on peut dire c'est la classe. Il y a des optimisations en plus, comme le data frame. Et comme il est fortement typé, donc tous les type mismatch errors, on peut voir qu'en compile time. Donc ça c'est il faut choisir avant qu'on démarre avec les Spark. Donc pour le prochain c'est Himanshu. Très bien. Du coup la deuxième optimisation que vous pouvez appliquer c'est sous le format de sérialisation. Chaque fois qu'il y a des transformations compliquées en Spark, par exemple les joins, les agrégations, il y aura certainement de transfert de données entre les machines parce qu'on ne peut pas juste mettre toutes les données dans la même machine, c'est impossible. Du coup chaque fois qu'il y a des shuffle des données, ça se fait dans le format sérialisé. Pareil, quand vous cachez vos RDD, il y a une option de les cacher en mettant les sérialisations. Par contre, le souci avec Spark, c'est que par défaut, il utilise la sérialisation de Java, qui est assez ancien et assez lent et il n'est pas très très compact. Du coup, ce qui est recommandé, c'est à la place d'utiliser la sérialisation Java, d'utiliser Creo. Creo, c'est une nouvelle génération de format de sérialisation. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compact. Du coup, ça veut dire que vos Java vont marcher plus rapidement, vous allez consommer moins d'espace. Donc, c'est une win-win. Une dernière chose, si vous utilisez les data frames et data sets, dans ce cas-là, vous n'avez même pas besoin d'utiliser Creo, parce que Spark, derrière, il utilise un autre format qui s'appelle Tungsten. C'est introduit très récemment en Spark. Du coup, il est même mieux que Creo. Donc, tant mieux. Comment on peut activer Creo si on utilise toujours des RDD avec Spark? Du coup, un petit code bloc. Donc, vous voyez, c'est assez facile à activer Creo en Spark. Quelques lignes de code. Des fois, on a des calculs dans lesquels on a des case class customisées pour faire ces calculs-là. Du coup, on est obligé de les sérialiser aussi. Et dans ce cas-là, il faut les enregistrer à Creo comme ça. OK. Troisième optimisation que vous pouvez appliquer, c'est sous les formats de stockage. Mais avant d'y rentrer, on va regarder rapidement c'est quoi un data lake. Data lake, c'est un endroit où on peut stocker nos données pour éternité, si on veut, pour les utiliser quand on a envie. Par exemple, vous avez HDFS dans le monde Hadoop, vous avez S3 dans le monde AWS. Ce qui se passe dans la plupart des data lakes, c'est que vous avez plusieurs zones de données. Vous avez une zone brute dans laquelle vous gardez les données telles quelles, comme l'entrée. Après, vous aurez certainement une zone contrôlée dans laquelle vous allez appliquer toutes les checks de qualité, les transformations GDPR, les anonymisations, tout ce que vous avez lié avec la qualité des données. Et à la fin, vous aurez une zone transformée dans laquelle vous allez vraiment faire ce qu'on appelle le data crunching, les transformations, les agrégations, les joins, pour que finalement votre équipe de data science ou BI puisse générer une valeur sous le data. Donc, comme on voit sous cette image-là, c'est que chaque data point ou chaque fichier de données est stocké 3 ou 4 fois dans le data lake. Du coup, c'est très important de choisir un bon format de stockage, sinon ça peut nous coûter vraiment très cher. Et ce qui est assez naturel de choisir des formats comme texte, JSON ou CSV, parce que c'est lisible par les humains, c'est naturel.
Par contre, malheureusement, ce n'est pas le meilleur choix. Il faut autant possible choisir les formats binaires et aussi compressés. Donc, il y a pas mal de choix possibles au monde open source actuellement. Il y a Parquet, Avro, ORC, Protobuf. Et même dans ces choix-là, c'est votre use case, c'est votre type de job que vous avez programmé, comment vous voulez utiliser derrière vos data qui va vous aider à faire ces choix-là. Quand on stocke les données en Data Lake, il y a deux manières de stocker les données. Soit on les stocke en raw format, ça veut dire qu'on les stocke ligne par ligne sans rien changer. Ou soit on pourra carrément pivoter nos données à 90 degrés, ça veut dire qu'on va stocker d'abord la première colonne, après la douzième et ensuite. Du coup, ça s'appelle le columnar format. Commençons avec Apache Parquet. Parquet, c'est un format binaire et compressé. Il stocke les données en format columnar. Il est splittable aussi, ça veut dire que si vous avez une grande fichier qui ne peut pas rentrer dans la même machine, du coup, il sera divisé en petits blocs qui s'appellent des partitions. Et après, vous pouvez les stocker n'importe où dans le cluster, n'importe dans quel data lake, oh, pardon, quel data node. La compression avec Parquet, c'est assez élevé par rapport aux autres formats concurrents. Pourquoi? Parce que quand Parquet il encode vos données en binaire, à la place d'encoder chaque data, chaque donnée, il va juste encoder la différence entre les données, qui s'appelle le delta encoding. Du coup, la compaction est assez élevée en Parquet. Quand est-ce qu'il faut choisir Parquet? Comme les données sont stockées en format columnar, ça veut dire que si vous faites beaucoup de queries sur votre data, si vous faites beaucoup de lectures et vous sélectionnez toujours quelques colonnes dans votre table ou votre data frame, ça veut dire que comme les données sont stockées en format columnar, on n'a pas besoin de scanner tout le fichier. On va juste scanner les lignes qui contiennent ces colonnes qui nous intéressent. Et voilà. Du coup, le query, le lecture va être beaucoup plus rapide avec Parquet. Un dernier point avec Parquet, c'est qu'il garde le schéma, le format de votre data dans la fichier lui-même. Donc, c'est aussi une bonne chose qu'on n'a pas ce genre de choses dans JSON ou CSV. OK. Avro, il est assez similaire que Parquet, pardon. Il est binaire, compressé, splittable. La grosse différence, c'est qu'à la place de stocker les données en columnar V, il stocke les données en format raw, ligne par ligne. Du coup, à cause de ça, ou grâce à ça, il est très rapide lors d'écriture. Du coup, comment on choisit entre Avro et Parquet? Si vous savez que vous n'allez pas faire beaucoup, beaucoup de queries sur votre donnée, par contre, vous voulez que l'écriture soit très, très rapide, dans ce cas-là, choisissez Avro par rapport au Parquet. Un deuxième avantage de choisir Avro par rapport au Parquet, c'est le Schema Evolution. Ça veut dire que si vous savez que dans le temps, le format des données va changer, ça veut dire que vous pouvez rajouter des champs ou vous pouvez enlever des champs. Pareil, vous pouvez même renommer des champs. Dans ce cas-là, c'est mieux de choisir Avro parce qu'il supporte mieux l'évolution de votre schéma par rapport au Parquet. Du coup, c'est assez facile à travailler avec Parquet ou Avro en Spark, quelques lignes de code, et voilà, ça marche plutôt pas mal. Du coup, je vous montre un benchmark sur un de mes projets. On avait ces trois jobs Spark qui stockaient les données en format JSON et juste remplacer JSON avec Avro. On a sauvé quasiment 150 gigas d'espace par jour sous S3, qui n'est pas trivial, qui vous fait gagner vraiment un bon somme de coûts. Voilà, pour la prochaine partie, Anitia. Donc, la join, parce qu'en Spark, l'opération plus coûteuse, c'est join. Parce que derrière, il demande beaucoup de data shuffle. Mais par contre, on peut éviter ça en utilisant le broadcast join. Dans le broadcast join, normalement, on peut broadcaster les petits RDD ou data frame. Comme ça, chaque exécuteur il a ses petits RDD ou data frame et il n'aura pas le data shuffle pour ses petits RDD ou data frame. Mais comme on sait que Spark est assez intelligent, il fait ça, mais pour les RDD ou data frame jusqu'à 10 mégaoctets. Mais par contre, on peut augmenter ses thresholds pour jusqu'à un certain niveau, comme ça qu'il peut résider dans la mémoire de l'exécuteur. Mais en même temps, il est toujours conseillé d'augmenter le timeout, parce que normalement, Spark, il attend encore 300 secondes pour faire ce type de join. Si il n'arrive pas à faire ce type de join en 300 secondes, mais on peut avoir l'erreur comme dans le code block. Donc, si jamais vous utilisez un broadcast join pour un peu customiser, il faut augmenter le timeout aussi. Très bien. Hardware tuning. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'est-ce que ça veut dire pas KYC ici?
un petit indice, on ne vend pas les produits bancaires, du coup ça ne redit pas Know Your Customer. Une idée? Ok. Du coup, pour nous, KYC, ça veut dire Know Your Cluster. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, il faut qu'on connaisse combien de machines on a dans notre cluster. C'est quoi la configuration de chaque machine? Ça veut dire que combien de cores on a sous chaque CPU, le mémoire, ce qu'on a. Et dernière chose qui est assez importante, c'est aussi votre resource manager que vous utilisez pour vos jobs Spark. Est-ce que c'est Yarn ou Mesosphere ou Kubernetes? Toutes ces choses-là sont super importantes. Supposons pour les prochains quelques slides, on a un cluster de 5 machines. Chacun contient 16 cœurs, 64 gigas de RAM. On utilise Yarn comme resource manager. Et pour garder les choses simples, supposons que nos jobs sont en train de tourner en mode client, ça veut dire que le driver il tourne sous la machine locale et on va utiliser nos clusters juste pour les exécuteurs. Du coup, comment tuner nos matériels pour nos jobs Spark? Premier scénario, c'est assez intuitif. On va essayer de créer des exécuteurs plus petits possibles. Ça veut dire qu'on va donner qu'un seul cœur par exécuteur. Du coup, dans ce cas-là, on aura 80 exécuteurs et chacun puisse avoir que 4 gigas de RAM. Par contre, il y a pas mal de soucis avec ce genre de configuration. Premier, quand vous avez un exécuteur Spark qui contient plusieurs cœurs, ça veut dire que Spark puisse démarrer plusieurs tâches en parallèle sous le même exécuteur. Et si vous broadcastez un data frame monde variable, il sera broadcasté qu'une seule fois sous l'exécuteur et sera partagé entre ces tâches-là qui sont en train de tourner sous le même exécuteur. Par contre, dans ce scénario-là, comme on n'a donné qu'un seul cœur par exécuteur, malheureusement, on perd de cette puissance de partager les données broadcastées. Donc, on aura beaucoup, beaucoup de broadcasts à faire. Donc, on perd un peu cette puissance-là. Deuxième chose, c'est que comme on n'a que 4 gigas de RAM dans notre JVM RIP, ça veut dire que si les partitions sont grandes, il y a un risque qu'on va déborder les mémoires et du coup, nos jobs puissent péter. Deuxième scénario, totalement inverse. Cette fois-ci, on va essayer de créer les plus grands exécuteurs possibles. Donc, comme on a 5 machines, on ne crée que 5 exécuteurs. Chacun va avoir toutes les ressources disponibles, 16 cœurs, 64 gigas de RAM. Cet scénario peut marcher, plus ou moins, mais il y a quand même quelques risques associés. Premier, comme on a donné 64 gigas de RAM, donc le heap size, c'est énorme pour chaque exécuteur. Du coup, vous aurez des postes de garbage collection qui sont vraiment brutales, qui vont vraiment impacter la performance de vos jobs. Donc ça, c'est un risque qu'on aura certainement à gérer. Et deuxième chose, quand vous travaillez avec Stack Hadoop, ce qui est constaté, c'est qu'après une certaine limite de parallélisme, les clients HDFS, ils commencent à dégrader les performances. Donc si vous débordez, si vous allez plus loin que 5 ou 6 cœurs par exécuteur, les clients HDFS ne sont pas aussi bons. Ils commencent à dégrader le temps d'exécution. Du coup, prenons en compte tous ces scénarios-là, c'est quoi la solution? La solution, c'est de trouver un scénario à peu près en milieu. En prenant en compte quelques points importants. Premier, ne pas dépasser 5 ou 6 cœurs par exécuteur. Deuxième, toujours garder quelques ressources disponibles pour votre resource manager. Par exemple, dans le cas de Yarn, il a besoin de démarrer pas mal des process internes de Yarn. Pareil, il y a Application Master qui va tourner sous un exécuteur parce que c'est Application Master qui négocie les ressources pour vos jobs. Et aussi, vous avez toujours un petit overhead de JVM qu'il faut gérer. Du coup, toujours laisser un peu d'espace pour ça aussi. Donc, prenons en compte tous ces points-là. On va créer des exécuteurs avec 5 cœurs, donc qui nous ramènent à peu près à 3 exécuteurs par machine, donc à peu près 14 ou 15 exécuteurs. Et chacun va avoir entre 18 et 20 gigas de RAM. Du coup, il n'y a pas une science exacte de trouver ces chiffres-là. Ce qui est recommandé, ce qui est constaté par pas mal d'expériences passées, c'est que ce genre de scénario marche plutôt bien pour vos jobs. Vos jobs marchent plutôt très rapidement et en même temps, vous utilisez mieux vos clusters. Encore les mêmes 3 jobs qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, cette fois-ci, on a benchmarké le temps d'exécution. Donc, si vous voyez bien, normalement, avec un meilleur tuning de matériel, on pourra couper le temps d'exécution à moitié et même dans quelques cas à un cas, comme dans le cas de job numéro 2. Un point bonus pour le hardware tuning, si vous n'avez pas envie de se ficher avec ces configurations manuelles, jouer tout le temps avec ces paramètres et regarder comment le job comporte, il y a une configuration Spark qui s'appelle Dynamic Allocation. Qu'est-ce que c'est Dynamic Allocation? Dans ce cas-là, quand on active cette configuration Spark, il va essayer de choper toutes les ressources qui sont là dans votre cluster,
comme ça vos jambes vont tourner beaucoup plus rapidement. Et en fur et à mesure, il va enlever ou rajouter plus d'exécuteurs par rapport à votre workload, le travail de vos jambes. Par contre, ce qui est très important, c'est si vous activez ça, n'oubliez pas d'activer cette configuration-là, Shuffle Service, comme Spark dans cette configuration-là pour enlever des exécuteurs. Et quand il y a des joins, des agrégations, il y a certainement le shuffling de données et les shuffle files sont stockés dans le disque d'exécuteur. Donc supposons que si Spark il avait un exécuteur qui avait des shuffle files et maintenant, à cause de Dynamic Allocation, il a enlevé cet exécuteur-là, ça veut dire qu'on a perdu le shuffle file. Et là, Spark il sera obligé de refaire le même travail. Donc ça, c'est un peu dommage. Du coup, en activant ce paramètre-là, Spark il va démarrer un genre de service externe qui s'appelle le shuffle service. Et dans ce cas-là, même si l'exécuteur ne fait plus partie de votre job, le shuffle file il va toujours rester en disque et Spark aura toujours accès à ce file-là. Donc si vous activez cette configuration-là, n'oubliez pas d'activer le shuffle service. Et un autre piège dans cette configuration-là, shuffle service, ce n'est pas pareil par Resource Manager. Si vous utilisez Yarn, Mesosphere ou Kubernetes, ça change. Donc il faut bien documenter sur ce truc-là. OK, pour la prochaine slide, Anitya. Donc, pour contrôler le degré de parallélisme, n'est-ce pas qu'on peut augmenter ou réduire le nombre de partitions. Mais dans le cas idéal, que si on augmente le nombre de partitions, c'est-à-dire que beaucoup de tasks en parallèle, mais ça peut réduire le temps d'exécution de nos jobs. Mais il faut que la partition il peut résider dans la mémoire des exécuteurs, mais on ne peut pas dépasser la mémoire des exécuteurs. Mais dans le cas de fichiers compressés, Spark, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le fichier, il va ramener dans une seule partition. Donc, il ne répartitionne pas automatiquement. Donc, mais par contre, on peut utiliser la méthode répartition pour les fichiers compressés pour avoir une meilleure répartition de notre fichier JP. Ou JP ou compressé, ou non, comme il est JP, ça dépend. Donc, ça c'est la seule chose pour les partitions. Très bien. Maintenant, on va essayer de tuner notre garbage collection. Comme on a vu qu'on pourra avoir des heap sizes qui sont assez énormes et ça va certainement impacter la performance de nos jobs. Par contre, il y a certaines options qui sont très faciles à activer et qui vont certainement soulager ce problème-là. Donc, première option, c'est Use Given GC. Given GC, G1GC, c'est la nouvelle génération de garbage collection qui est beaucoup plus rapide par rapport aux anciens parce qu'à la place de collectionner objet par objet, il va collectionner les régions dans votre heap space. Du coup, la collection va aller beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'en Java 9, par défaut, il est activé. Deuxième option que vous pouvez activer, c'est Always Pre-Touch. Quand on active cette option-là, lors du démarrage de votre JVM, toutes les pages mémoire de votre heap space seront allouées tout de suite lors du démarrage de votre JVM. Donc ça va prendre plus de temps pour démarrer le JVM. Par contre, vous avez toutes les pages qui sont déjà allouées dans la mémoire physique. Ça veut dire que cette allocation ne sera pas faite au fur et à mesure de l'exécution de votre application. Et comme ça, votre application va aller plus rapidement parce que tout l'espace est déjà réservé pour votre JVM. Troisième, c'est Use Large Pages. Du coup, c'est quoi une page? Une page, c'est une unité de stockage dans votre mémoire. Et il y a pas mal de page tables, cache tables qui sont là dans votre OS qui tracent où est-ce que chaque page est stockée dans votre mémoire. Et du coup, le garbage collector, il a besoin de lire ces tables-là pour faire le collection. Assez classique. Et quand vous activez cette option-là, ça veut dire qu'à la place d'avoir des petites pages, on va utiliser les grandes pages. Et il y aura moins d'entrées dans les page table, cache table. Ça veut dire que lors de collection, le travail de collection va aller beaucoup plus rapidement parce qu'il aura besoin de lire moins d'entrées. Et use TLabs. TLabs, c'est des thread local allocation buffer. Quand on active cette option-là, chaque thread JVM, il va avoir son propre buffer dédié pour l'allocation des objets. Ça veut dire que l'allocation des objets va aller beaucoup plus rapidement parce que chaque thread a son propre buffer dédié. Et comme c'est un buffer dédié, local à thread, il n'y en a pas de concurrence non plus dans ce buffer-là. Donc, il n'y a pas du tout on n'a pas besoin de gérer les locks ou les mutex, les choses comme ça. Tout va aller très, très, très rapidement pour l'allocation des objets. Et dernière option, c'est Resize TLab. Dans ce cas-là, on laisse nos JVM changer le taille de ces buffers-là par rapport à l'espace disponible dans le heap. Voilà, du coup, toutes ces options-là, si vous les activez, c'est très, très facile. Et certainement, si vous avez un grand JVM heap space, ça va vraiment vous soulager par rapport aux pauses de garbage collection.
Ok, là on va vous partager quelques exceptions qu'on a pu regarder dans le passé, qui sont des fois assez pénibles à débugger. Peut-être la première vous avez déjà vue. Ça arrive quand vous allez au-delà de mémoire, du coup votre resource manager il va killer vos containers, très bien. Mais c'est un peu dommage parce que le resource manager il est censé allouer des containers et c'est lui qui va enlever les containers et à la fin, vos jobs sont morts. Du coup, c'est dommage. Mais bon, ça arrive parce que certainement on a mal configuré nos jobs Spark. Pourquoi ça arrive? Bah, on est allé au-delà de mémoire, ça veut dire soit on utilise beaucoup de cœurs exécuteurs. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? Ça veut dire qu'on a beaucoup de tâches qui s'exécutent en parallèle sous le même exécuteur et toutes les données de ces tâches-là sont en même temps en mémoire. Du coup, ça veut dire qu'on est en train d'exploser la mémoire. Ou soit on n'a pas assez de partitions dans nos jobs. Ça veut dire que chaque partition Spark contient beaucoup de data et ça aussi, ça pourra vous gêner avec ce souci-là. Ou, dernière raison pour que ça puisse arriver, c'est le data skew, qu'on va regarder plus tard. C'est quoi les solutions pour gérer ce genre de problème? Premier, c'est très très simple, on va augmenter les mémoires et ça va disparaître. Mais malheureusement, on a une limite, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite pour augmenter les mémoires. Du coup, les solutions, c'est maintenant, si vous avez augmenté les mémoires autant que vous pouvez jouer avec la degré de parallélisme dans vos jobs. Donc, soit vous pouvez diminuer le nombre de cœurs dans votre exécuteur. Ça veut dire qu'il y aura moins de parallélisme au sein de l'exécuteur. Ça veut dire qu'il y a moins de données en même temps en mémoire. Ou soit, vous augmentez le nombre de partitions. Pareil, chaque partition va avoir moins de données. Donc, vous allez soulager votre mémoire. Si, dans le cas, quand vous faites les persistes au caching, de voir des dans le mémoire, bon, arrêtez de faire ça. Utilisez plutôt disque. Et si ça ne marche toujours pas, vous avez toujours une option de cacher vos RDD off-heap. Donc, vous n'allez carrément pas utiliser vos mémoires. Par contre, ça va retarder un peu vos jobs, mais au moins, vous n'allez pas aller out of memory. OK. Douzième exception, qui était très, très, très pénible personnellement pour moi. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait des exécuteurs qui étaient décommissionnés en boucle, en permanent. Du coup, on avait des jobs qui étaient censés de prendre 3-4 heures. À cause de cette exception en boucle, ça prenait des fois 20 heures, 24 heures, et même après ça, ça fêlait. Du coup, c'était assez compliqué à débugger, comprendre pourquoi ça arrivait. On a fait pas mal de configuration tuning, mais ça ne marchait pas. Donc après plusieurs semaines de souffrage, on a pu trouver pourquoi ça arrivait. Ça arrivait à cause de notre policy d'auto-scaling. Pour ce job-là, on utilisait AWS, notamment OMR, Elastic MapReduce. Du coup, on avait mal configuré notre auto-scaling policy. Si vous voyez bien ici, c'est le scaling policy, comment on va décommissionner nos machines. Et on avait utilisé un métrique Yarn qui s'appelle Container Pending Ratio. Dès que ça devient zéro, on commence à enlever les machines. Mais le souci de cette ratio-là, c'est que dès qu'il n'y a aucune application qui est en attente de l'allocation, par contre, même si vous avez centaines d'applications qui sont toujours en train de tourner, cette ration devient zéro. Et voilà, votre ration est devenue zéro, vous commencez à enlever les machines. Pourtant, il y a des jobs qui tournent sous ces machines-là. Donc, quand on a pris ça, pendant quelques temps, on était tous comme ça dans mon équipe, parce que ce qui était assez marrant et un peu triste, c'est qu'on avait cette configuration en protection pendant des mois, on galérait, on a fait tous les tunings possibles et ça ne marchait pas. Bon, une fois qu'on a appris ça, que c'était à cause de ça, la solution, ce n'était pas très compliqué, remplacer le métrique. On a utilisé notre métrique. Donc, dès qu'on avait 95% de mémoire libre dans notre cluster, ben, on commençait à décommissionner. Et là, ça marchait très, très bien. Pourquoi j'ai partagé ça avec vous? Parce que des fois, on peut appliquer autant d'optimisation possible sous nos jobs Spark. Par contre, ça ne marche toujours pas bien. Dans ce cas-là, peut-être c'est une bonne idée d'aller voir ailleurs dans la configuration de vos clusters, dans votre resource manager, parce que peut-être que le problème vient de là, et ce n'est jamais facile à comprendre et débugger ce genre de problème. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est que c'est toujours mieux de comprendre son cluster, know your cluster, c'est très important. Anitya. Donc, comme dans mon dernier slide, on a dit que si on augmente le nombre de partitions, c'est-à-dire que moins de données dans chaque partition, les jobs plus rapides. Mais ce n'est toujours pas le cas, parce qu'en cas de data skew, quand la plupart de nos données ils sont dans certaines partitions, et les autres partitions ils contiennent beaucoup moins de données ou ils sont vides. Et quand ça arrive, par exemple, si on fait les joins entre les deux data frames ou RDD, ou on fait l'agrégation
sous certains types de données. Ou sinon, si on fait tel type d'opération sous un colon qui contient beaucoup de nuls. Donc, tous les nuls, ils vont aller dans la même partition. Ça va, il va dépasser les mémoires et on peut avoir les out of memory errors. Sinon, notre job, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, comment on peut détecter un problème de data SQL? On a lancé notre job et la plupart de notre task, ils sont finis très rapidement et il y a deux ou trois ou une en task qui prend beaucoup, beaucoup de temps pour terminer. Donc ça, c'est une indication que notre donnée, il contient des data SQL. Juste pour donner un exemple, ici, si j'avais fait un join entre la make and model, donc tous les Ford Fiesta, ils vont aller dans la même partition. Et si on scale ces data frames, il peut exploser la mémoire, sinon ça va prendre beaucoup de temps pour faire les autres calculs. Donc, les solutions pour le problème de data SQL, il faut repartitionner les données, c'est plus simple. Mais, OK, mais il faut utiliser une autre colonne pour repartitionner. Sinon, quand on fait la join, on peut avoir une aide dans une autre colonne pour faire la jointure, pour faire ce type de join. En cas de nul, on peut juste filtrer avant qu'on fait le séjour d'opération. Sinon, on peut juste remplacer le nul avec un autre suffixe X. X, il peut être un random number, un nombre. Sinon, si rien fonctionne, on peut toujours appliquer sorting. Sorting, c'est une autre méthode qui est bon, mais il demande pas mal de travail derrière. On va parler de sorting aussi. Donc, si je reviens sur le problème ici, maintenant, je vais utiliser la engine size pour faire la join. Et comme il y aura beaucoup moins des Ford Fiesta 1.4 ou 1.5, donc je vais repartitionner mes données un peu plus mieux qu'avant. Donc, dans ces manières, je peux résoudre le problème. Et pour le sorting, je laisse Himanshu. OK, on a vu déjà quelques solutions pour gérer le problème des task queue. Par contre, s'il n'y a rien qui marche, vous pouvez toujours essayer de jeter un pot de sel et peut-être que ça va disparaître. Donc, on va regarder sorting. C'est quoi sorting? C'est quasiment impossible de trouver une colonne autour de qui on pourrait uniformément distribuer nos données. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même colonne ou même clé et on va rajouter une valeur suffixe dans ces colonnes-là qui va être une valeur random, aléatoire, entre A et N. N, c'est votre nombre de partitions. On pourra même créer une nouvelle colonne qui contient ces valeurs random entre A et N. C'est ça qu'on appelle le sorted colon. C'est tout, il n'y a rien de plus en sorting. Prenons un exemple. On a un dataset qui contient beaucoup d'ABC. Du coup, quoi, Spark, il va partitionner ce dataset en utilisant hash partitioner. Le valeur de hash, il sera pareil pour toutes les ABC. Et malheureusement, à cause de ça, ils vont tous aller dans la même partition. Et ça fait des task queues. Du coup, là, on va appliquer sorting. Donc maintenant, on a ajouté une valeur aléatoire en suffixe de toutes ces clés-là. Donc maintenant, notre ABC devient ABC underscore 1, 2, 3, 4. Et maintenant, quand Spark il va partitionner ça, bah, très bien, parce que comme maintenant, on n'a plus des ABC, donc les valeurs de hash ne seront pas pareilles, et ils vont plus ou moins être uniformément distribués dans toutes les partitions. Et voilà. Donc normalement, vous avez réglé plus ou moins le problème de data queue. Quand on fait le join entre deux data frames, et on sait que le colon qu'on va utiliser pour un data frame, ça va faire le data queue. Et si la deuxième data frame est assez petit, on sait qu'il va rentrer dans la mémoire de chaque exécuteur. Du coup, dans ce genre de scénario, vous pouvez appliquer le sorting, le deux côtés. Ça veut dire que vous créez deux colonnes, un colonne dans chaque data frame qui va avoir les valeurs, qui va avoir les random values entre A et N pour les deux data frames. Pour la deuxième data frame qui est plus petite, vous le broadcastez dans chaque exécuteur. Et après, vous faites le join en utilisant ces sorted colons plus vos colonnes de business avant qu'ils faisaient le skew. Et dans ce cas-là, quand vous avez aussi rajouté les sorted colons dans le join, normalement, vous allez très bien contrôler le problème de data skew. Par contre, si la deuxième data frame qui n'est pas skewée, par contre, il est grande et il ne va pas rentrer en mémoire, dans ce cas-là, comment on fait? On pourra toujours faire le sorting. Par contre, pour le grand deuxième data frame, qu'est-ce qu'on va faire? On va les découper en petits morceaux, des samples, qui sont plus ou moins uniformes, et on va les broadcaster en itération. Et c'est comme ça qu'on va faire la join. Voilà. Comme ça, on ne va pas exploser
la mémoire, et on a aussi réussi à faire le join avec Salting pour gérer le data queue. Voilà. Donc la data locality, pourquoi c'est important? Parce que ces images, c'est, si vous êtes utilisateur de Spark, vous connaissez très bien l'image. Quand on fait un calcul sur Spark, normalement Spark elle pousse notre calcul plus proche que notre donnée possible, dans le meilleur cas, dans le même JVM. Donc dans ces cas, on a data locality, c'est le process local. S'il n'a pas trouvé les ressources disponibles, il va prendre un autre exécuteur dans la même node, c'est la node locale. Et même s'il n'y a pas assez de ressources disponibles, il va essayer de chercher les ressources dans un autre exécuteur, mais dans la même rack, c'est la rack locale. Et s'il n'arrive pas toujours à trouver les ressources, il attend que les ressources sont libres et il va pousser les ressources où ils sont disponibles dans notre cluster. Mais avant qu'il fasse ça, il attend 3 secondes chaque fois pour changer la data locality. Mais par contre, nous, on peut jouer des certains paramètres pour attendre un peu plus. Mais pourquoi c'est important? Parce que chaque fois, notre donnée elle est plus loin que notre calcul. Il va passer par le réseau, donc il aura Network I.O. Et pour les jobs qui prend beaucoup de temps pour tourner, on dit long running job, c'est toujours mieux d'attendre un peu plus pour avoir la meilleure data locality que changer la data locality parce qu'il attend que 3 secondes. Donc pour chaque étape, on peut juste skipper ou on peut attendre un peu plus. Mais pour les petits jobs, c'est mieux que pour laisser tel quel et ça fonctionne très bien. Il y a un bonus. Qui utilise déjà Dr. Elephant? Personne? D'accord. Donc ça, c'était un projet LinkedIn et récemment, depuis quelques années, ils sont mis en open source. Donc Dr. Elephant, il nous aide pour trouver la meilleure configuration pour notre job Spark. Donc, c'est pas mal pour le moment, mais avant d'utiliser Dr. Elephant, il faut qu'on compresse notre log. Si on ne compresse pas notre log, il va juste nous donner le conseil pour les job Hive. Et après, on dit, OK, il ne trouve pas mon job. Il faut juste, n'oubliez pas pour compresser votre log Spark. Et ça. Oui, voilà. On a terminé avec les slides. C'est deux bouquins qui vous recommandent vivement si vous apprenez Spark et vous avez envie d'optimiser vos jobs. Ils sont très, très bons. Du coup, si vous avez des questions. Bonjour. 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 Au début de la présentation, vous avez parlé d'utiliser ORC ou Avro comme format de... Parquet ou Avro, parquet. Oui. Pardon. Quelles sont vos recommandations par rapport à l'utilisation, après ça, de genre Snappy ou Elzado? Est-ce que c'est des choses que vous conseillez ou que... Oui. Est-ce que ça a un impact en termes de coût par rapport aux requêtes? Tout à fait. En fait, quand on utilise Avro ou Parquet, c'est toujours recommandé de compresser aussi. Donc... Par défaut, on utilise Snappy. D'accord. Vous avez aussi des choix à deflate, des choses comme ça. Mais bon, Snappy, ça marche plutôt pas mal. Et mon expérience, c'est que c'est plutôt un bon choix d'utiliser Avro, Parquet, plus Snappy. Et ça n'a pas d'impact sur les perfs des queries? Non. D'accord. Bah, en fait, ça vous fait gagner beaucoup d'espace. Et je pense que l'impact, c'est tellement minuscule, c'est que c'est toujours mieux d'activer ça. Comme ça, vous gagnez encore plus d'espace. D'accord. Ouais. Merci. Merci d'abord pour la présentation. Moi, ma question, en fait, elle est simple. Quand vous avez fait les tests, c'est quoi votre scénario de test? Oui, parce qu'en fait, j'ai vu plein de schémas, en fait, qui montrent voilà, certaines configurations qui marchent mieux que l'autre. Ouais. Alors, et du coup, en fait, derrière, en fait, c'est un peu flou. En fait, j'arrive pas à voir Quoi, en fait, votre scénario de test. Comment nous, on est arrivé à trouver ces configurations-là? Oui. C'est après avoir galéré beaucoup, pour être très franc avec vous. C'est comme ça qu'on apprend. Chaque fois que vous faites une job qui ne marche pas, qui prend beaucoup de temps, vous changez, vous jouez, vous regardez beaucoup de documentation. Après, vous rechangez la configuration, après benchmarker. Du coup, c'est le seul moyen. Après, le bouquin que je vous ai partagé, juste là, l'optimisation
High Performance Spark, il y a un chapitre sur le tuning de Spark qui est assez intéressant. Donc lisez-le. Mais en tout cas, chaque job est différent. Du coup, tout ce qu'on vous a partagé, c'est des configurations à peu près générales qui marchent plutôt bien. Mais des fois, vous avez des jobs qui demandent beaucoup de mémoire. Des fois, il y a des jobs qui sont très calcul intensifs. Du coup, tout ça, ça peut bouger. Du coup, le seul moyen qu'on pourra vous recommander, c'est benchmarker, tester, et vous allez finir par trouver les meilleures configurations. D'accord. Et du coup, en fait, c'était quoi votre use case ? Vous l'avez utilisé, en fait, le Spark pour moi, la use case, c'est plusieurs use cases. Par exemple, celle que je vous ai partagée, dans laquelle on avait beaucoup de problèmes avec AWS, autoscaling et tout ça, bah, c'était un job Spark qui exportait les données depuis Cassandra et le pompait sous S3. D'accord. Et du coup, sur Cassandra, on avait une base assez énorme, beaucoup de données, quasiment 10 ou 15 terres de données à pomper tous les jours à peu près, pour divers use cases. Et du coup, ces jobs-là prenaient 3-4 heures, et quand il a commencé à prendre 24 heures, donc là, on a dit qu'il y a un problème. Voilà. Super. Et juste une dernière question, est-ce que votre configuration, en fait, on peut la trouver quelque part en ligne, vous allez partager après ? Les slides sont partagés sous ce lien-là, normalement. D'accord. De toute façon, sinon, on va tweeter, vous aurez les slides. Si vous avez un retour d'expérience sur tout ce qui est caching et c'est quoi la meilleure de façon, est-ce que c'est parfois ce que c'est mieux de relire les données ou parce que j'ai remarqué que ça n'était pas efficace pour nous. Ouais, en fait ça dépend. Parce que comme il y a tellement de configs, si on fait juste si on juste cache les données, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés avec ça. Donc c'est toujours, il y a pas une seule solution. Parce que comme dans Spark, il y a beaucoup de configs. Si on dit, OK, on a bien caché les données, il existe dans la mémoire, mais peut-être il y a un problème qui est quelque autre part. C'est un autre tuning. Ce que je peux vous donner comme conseil, ça dépend combien d'actions vous avez derrière sous votre donnée. Si vous avez 3-4 actions qui suivent, et il y a beaucoup de joins ou des choses comme ça qui sont très coûteux, dans ce cas-là, c'est toujours mieux de cacher. Par contre, si vous faites des transformations assez simples, dans ce cas-là, peut-être que vous aurez des problèmes d'out of memory si vous le cachez. Donc peut-être, c'est mieux de ne pas cacher les données. Parce que comme c'est la lazy evaluation, donc il va calculer une seule fois, si on utilise une seule fois, mais si on utilise plusieurs fois, il faut cacher quelque part. C'est toujours mieux, oui. Merci. Sinon, utilisez off-heap. Si ça vous gêne trop, il y a toujours le caching off-heap, sans utiliser mémoire d'exécuteur. C'est un peu plus lent, mais au moins, vous n'avez pas de risque d'aller plus loin, de déborder les mémoires. Question un peu générale. Avez-vous une expérimentation de Spark en mode cluster dans Cube ? Ou quel type de cluster vous utilisiez sur AWS ? EMR ou autre chose ? Personnellement, moi, je vais l'utiliser sous EMR et un peu sous Hortonworks. Je ne sais pas, Nitya, si tu as... Pour nous, c'était AC2, non, classique. Ouais. Plus d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Les recommandations seraient valables aussi pour faire du Spark Streaming ou c'est Une partie, oui, pas tous. Par exemple, tout ce qui est hardware configuration qu'on a partagé, si vous donnez beaucoup de ressources pour les jobs streaming, peut-être que ce n'est pas une bonne idée parce que peut-être que vous n'avez pas autant d'événements qui arrivent en même temps. Du coup, il y a une partie que vous pouvez utiliser pour streaming, par exemple le garbage collection et tout ça, ça marche, le format de stockage, ça marche aussi. Data locality, ça marche aussi. Par contre, tout ce qui est matériel, les configurations de hardware, ça dépend vraiment. C'est quoi le débit d'événement que vous avez dans le streaming. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez les slides ici.